Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Kai et on se retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play sur The Legend of Zelda A Link to the Past pour le cinquième temple, le Palais de Glace, le temple de Relou. Voilà, il y a ces trucs là qui sont déjà relou. Ce temple est une purge. Je ne peux pas le blairer. Ce temple, c'est probablement le plus chiant du jeu, selon moi. Non, non, ne dites pas que c'est oui, il a l'air dur parce qu'il y a de la glace et qu'on va glisser. Non, 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 c'est avec ça, ça irait. Mais vous comprendrez bientôt, très bientôt, pourquoi est-ce que je déteste ce temple. Alors déjà, il y a des énigmes à la con, comme ça, mais bon, ça c'est secondaire, hein, complètement. Dégagez les canards, les ornithorynques à la con. On va rester là, camper quand même, je sais, c'est dégueulasse comme stratégie. Il y a un coffre quand même. Ça m'a fait chier de voir toutes les fruités pour rien. La boussole. Donc déjà... Oh putain, regardez-moi ce nombre d'étages. 7 et... 8 étages. Ouais. Bon, d'accord, le dernier, le 7ème, c'est juste une course du boss. Mais quand même. Vous sentez le potentiel relou de ce niveau? Et bien sûr. Oh non, pas ces trucs là. Eh bien. J'ai bien joué quand même de me planquer tranquillement. Le seul qui glisse. Un petit peu. Oh, on va déjà foutre. Le monstre là. Là, je peux rien faire. Je peux pas sortir. Du coup, je suis obligé de faire quoi? De prendre ce truc là. Une chose. Pour voir. Ça veut dire où toi? Fais juste transformer en fait ce truc là. Je crois que c'est une merde à cause de cette connerie. Voilà ça, oui, je sais, ça vaut, c'était un peu chaud, mais ça vaut carrément le coup. Bon, allez. Bon. Là, j'en chier. C'est le prix. Ça fait les couilles. Chose de merde. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ceci. Et on va passer au niveau inférieur. Bien. Oh, ces cheveux squelettes là, ils sont chiants. Le meilleur moyen, c'est de les choper, d'apporter une boum à la tronche. Comme ça, on les tue comme ça. J'ai pas fait d'avoir masse bombe quand même, grâce à la fée. Je vais claquer mes rubis pour Alors ça, par contre, je vais quand même oublier qu'il y avait une clé dans un des monstres là. Oh putain. Là, il y a un truc pour changer la couleur du... Ça doit changer la couleur. Bien joué, Link. Oh, le truc de pute. Eh, j'ai quoi dans les doigts? Je sais bien que j'ai les mains moites à cause de la chaleur torride qu'il fait aujourd'hui, mais quand même... Oh putain, genre j'ai tout. Putain, ça me fait chier ça. Non, j'en ai marre! Putain, ça me pète les rouleaux là! Vous voyez, machin là. Vous mourrez, vous me filez un peu de vie, j'espère. Je vais vous faire foutre. C'est pour sortir. Ça me prend la tête, ce truc-là. Oh, le grappin, c'est le one shot.
Va te faire mettre le jeu. Ok. Pas grave, on a toujours encore 3 fées. Oh putain, ce truc là. Je laisse pas beaucoup de choix. Peut-être à gauche. Je rappelle qu'il faut que je revienne ici au premier pour le coffre qui était derrière un truc. Là c'est encore pour redescendre. Faut d'abord que je remonte, je rappelle bien, faut d'abord remonter. Et voilà, et je tombe normalement. Salle de merde. Avec encore des putains de canards. Ouais, bon. Neutralisé. Ah. Et là, normalement, si je remonte, je vais atteindre... Allez. Si je remonte là au troisième sous-sol... Est-ce que je vais atteindre le premier? Oui, normalement, je vais atteindre le premier, normalement. Là, normalement, je vais être bon. Non? Il y avait une erreur. Non, rien. Bon, bah, ok, je me suis fourvoyé. Ok, puis normalement, si on regarde bien la map, regardez. Juste au-dessus, il y a la salle. Juste à la droite, la salle. La salle, vous avez où il y avait le. Oh, faut que je bute celui-là avec la bombe. Je prends quand même les bombes. J'ai encore 35, mais bon, quand même, au cas où, on sait jamais. C'est fongé ces machins là par contre. La série monstre relou. J'ai un coffre, génial. Par contre j'ai accumulé plein de clés, je sais pas quoi ça sert, toute la langue du truc là. Ah bah voilà. La carte du donjon. Vous voyez, le donjon il est pas immense, il est juste affreusement chiant avec sa... en étant tout en hauteur. Pour ressortir. Que je reviens ici. La grande clé, donc j'ai vraiment intérêt à venir ici. Non, pour se refaire les petites pièces là où j'avais pas pu... Je peux me faire plutôt de repartir par là-haut. Dire hop, je passe ici. Pour faire le tour. Là, je reprends mon grappin. Oh, le monstre de merde. Là-haut. On va redescendre. Meurs, meurs s'il te plaît. Tu es deux hein. C'est la galère. Ah, cette pièce de veau là. Oh le petit monstre qui a chopé comme ça, coucou.
Bon, on va se calmer. On va gérer avec prudence cette fois-ci. On prend le grappin. Et voilà. Je suis réussi. Mais les lignes se dépassent. Et là, je vais aller à gauche. Parce que je suis pas encore allé, moi, à gauche, là, où je suis. Et à droite, je sais ce qu'il y a, j'y suis déjà allé, donc... J'ai contourné la pièce de droite. Je l'ai vu, j'ai pas encore besoin de claquer ma clé. Là, pour cette pièce, si je me souviens bien, elle était horriblement chiante. Pas me mettre devant. Le sol glissant là. Je crois qu'il faut jeter ici. On a la partie gauche. Avec la côte de maille bleue, voilà, qui réduit les blessures qui me sont infligées par l'ennemi. Ça, c'est pas un avantage épique de prendre que la moitié des dégâts. Alors là. On arrive vraiment au bout. Hein. Alors déjà, je vais changer la baguette, je prends la baguette de feu parce que je sens mal le truc là. Voilà, gentil. Oh putain, il y a des chemins partout. Et après ça redescend en dessous. Oh mon dieu. Je sais pas par où faut aller. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle ces trucs. Heureusement, il y a des cœurs ici, c'est gentil. Toi, par contre, je vais essayer de t'intercepter avec la poudre magique. Voilà, tout fait, ça fait plaisir. Bon, j'ai ouvert un. Ici, il y a moyen de récupérer un petit peu de vie. Par contre, je sais plus où faut aller. J'hésite. Ah, si, faut aller en bas. Oh oui, cette pièce de Satan. Mais non, Link, pas con. Allez, cours, c'est bon, t'es à l'abri. Dès que les clés à plusieurs fois en foutre. J'ai 4 clés. J'ai reposé le monstre. Et là. Je suis revenu ici. C'est une blague. Attendez. Faut que je redescende en fait. Non, il faut que je reviens ici, faut que je change. Faut que je trouve un interrupteur pour changer la couleur. Il me faut du bleu activé. Oh la vache, c'est chiant. Où est-ce qu'il y a un interrupteur dans cette... ce niveau de merde. Oh, c'est la salle de Satan.
Et voilà. On s'est débarrassé de ça. Non, c'est pas par là que j'aille. Non, je fais de la merde. Et là, en bas, y'a plus rien, donc faut que je... Non, non. Non, en fait... Ah bah si, je suis obligé de remonter pour une route très simple. Et que si je... C'est un sens unique. Donc je suis baisé. C'est vous, on me prend la tête, je vous le dis. Hein. C'est quoi, là, je vais débloquer le chemin parce que sinon ça me prend la tête, j'ai toujours faire la flemme de redescendre. Oh oui, il y a ça. Voilà, on se fait là. C'est bon. Là, on se tire. Voilà. On revient ici, on se trouve le truc. Faut vraiment que je me dupe quelque part. Et la seule fois, si je comprends. On passe à l'étage inférieur. Toi là, est-ce que je peux te. Mais c'est pas ce que je voulais faire, putain, je voulais la choper. Alléluia. Alors toi, tu vas te faire voir. Désolé. Je t'ai eu. Ah, je me rappelle après ce qu'il faut faire. Il faut remonter maintenant. Maintenant qu'on est là, je me rappelle qu'il faut se... Il faut se dans les trous pour tenir, pour aller atteindre dans les... potiche qui donne à une salle secrète. Voilà. Voilà. De fait. Maintenant qu'on est en bleu, il n'y a plus quelque chose à faire. Un moyen de faire le tour. Ah, faut que j'en fasse le tour, c'est vrai. Oh putain, ça me fait chier ça. Oh, faut faire le tour, faut remonter en haut. Ok, j'aime beaucoup quand j'ai fait ça. Il faut revenir en haut. Je prends un coup là, ça serait quand même stupide. Même si je pense que je, quand même, je suppute que j'ai une probabilité assez élevée de mourir, donc il faut vraiment de merde qu'à penser à la glace. Ah non. Je l'ai pas, je l'ai. Là faut que je barre, que je fasse le tour, évidemment. Je repousse ce machin là en lui balançant le poil à la tronche. Là pour foutre le camp, c'est par où? Voilà, faut que je revienne à gauche. Pour venir à gauche, il faut que je trouve l'interrupteur. L'interrupteur était où? Tu me dis quoi toi le vieux? Je sais pas trop des pouvoirs magiques, je ne posais pas l'élixir de magie. Mais la magie c'est bon, il y en a partout, c'est de buter des canards à la con. Mais on prend tellement cher comme ça, comme des crétins. Oh, ça me saoule, vraiment. Où est-ce qu'il est le putain de bouton? Il était là depuis le début. Je me suis fait chier faire le tour de la pièce pour un bouton qui était juste ici en fait. Oh, le foutage de gueule! Allez, c'est bon, on va peut-être pouvoir aller vers le. L'état inférieur. Voilà!
moi ici je peux faire utiliser mon marteau pour dégager les statues. Finalement, si j'y sont ici, je crois que on approche de la fin. Ouah, c'est quoi cette pute là? Là, on peut tirer la statue, ça je me rappelle. On défonce tout ça. Et là, on saute dans le trou et je crois qu'on arrive au boss. Le boss est encore une espèce de géant planqué dans la glace. Ah! Alors des fois c'est en carré, des fois c'est hop en diagonale. Le petit bonheur a la chance. Par exemple, je vais bourrer les péter conneries. Hein. Je suis mort. Bon, heureusement, j'ai des fées. Hein. Et la magie, à la limite, ça sert pas à grand chose, c'est juste de foncer sur le mob, le boss, et de le bourrer, voilà. Et heureusement qu'on a plus de magie, le jeu est assez gentil parce que hop, il nous file un petit peu de magie, comme ça. Vous allez voir, défoncer. Je vais me le faire au cac, hein, vous allez voir. Et heureusement j'ai plein de potions avec des fées, et plein de bouteilles avec des fées. Hein. Merde. Et voilà, nouveau cœur de vie, et on va sauver la cinquième jeune fille. Link, grâce à toi, je peux m'échapper des griffes et des monstres diaboliques, merci. Tu parles à mon diabolique, c'est juste un œil planqué dans de la glace. Ils disent que les Iliens ont mis sur le pouvoir comme les sept sages. Mais sans des Iliens, c'est appauvri avec le temps. Nous qui sommes la lignée des sept sages, nous ne disposons plus nous-mêmes des pouvoirs développés. Le pouvoir augmente trop si nous allions courage chevalier à sage et des sages. Il reste encore peu de temps avant que la brèche entre les mondes de la lumière et des ténèbres ne s'élargisse. Si tu vas Ganon, ce monde disparaîtra et la Triforce attendra son nouveau porteur. J'ai foi en toi, courage. Tu as compris? Oui. Puisse ton chemin mener le héros à la Triforce. Et voilà. Et on va revenir dans le monde réel. Ou pas. Disons, voilà, je vais revenir dans le monde réel. Et... toi, je vais te gicler, ça va être gentil. Bien. Et pour aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc j'espère que l'épisode-là vous aura plu. N'hésitez pas à faire part de vos remarques, vos commentaires. Moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.